Ils viennent parfois du bout du monde pour se recueillir sur le lieu le plus saint du christianisme et ils trouvent porte close. Le Saint-Sépulcre à Jérusalem est resté fermé ce lundi pour le deuxième jour consécutif, une décision rarissime prise par les églises grecques orthodoxes, arméniennes et catholiques, une manière de protester contre la municipalité qui souhaite collecter des impôts sur leurs biens commerciaux. De nombreux magasins et hôtels sont concernés. Par ailleurs, une proposition de loi risque, selon les responsables religieux, de conduire à des expropriations. L'examen du texte en commission a été reporté d'une semaine pour essayer de trouver un compromis.